Bah, sur cette première mi-temps, on avait un bloc équipe qui était trop ouvert. Du coup, ça a donné des opportunités à cette équipe de Nîmes de s'y engouffrer. Parce que, comme je l'avais dit avant le match, c'était une équipe qui avait des qualités. Mais on a très bien rectifié en deuxième. Voilà, le partage des points est équitable. Bah, en fait, je fais jouer ceux que j'estime être les meilleurs à l'instant T. Les plus complémentaires à l'instant T pour pouvoir être performant. En fait, comme je l'ai dit, je ne m'arrête pas à l'âge, je ne m'arrête pas à la couleur de peau, je ne m'arrête pas à la taille. Je fais jouer les joueurs voilà, qui sont dans une bonne forme, autant physique, psychologique, et qui vont pouvoir répondre à mes exigences technico-tactiques. Non, je pense que les cartes, elles sont redistribuées pour tout le monde, en fait, et que ceux qui jouent, c'est ceux que j'estime être performants. Et aujourd'hui, tu parles des jeunes, oui, les jeunes, ils ont été performants, mais il y a là aujourd'hui un Geoffrey Kufau qui était qui sur les derniers matchs est aussi très performant. On a un Momo Kaba, un Julien Masson qui jouait aussi avant, qui continue d'être performant. On a un Elias Hamash, un Aymen Boutoutaou qui était performant, qui continue de l'être. Je pense que voilà, il y a une certaine continuité avec certains, il y a du peps, du 109 qui est arrivé avec d'autres. Et après, chaque match a sa vérité. Aujourd'hui, les jeunes qui ont joué, ils ont répondu présent. Je pense qu'à l'unanimité, tout le monde salue leur performance. Et aujourd'hui, je pense que le maintien du club, qu'on l'ait avec Pierre, Paul, Jacques, l'important, c'est juste de l'avoir. Je réfute cette idée de jeunes, parce que dans tous les grands championnats, dans toutes les équipes, il y a des jeunes. Je vois la moyenne. Aujourd'hui, l'équipe qui a donné le plus de minutes de temps de jeu aux jeunes en Ligue 2, c'est qui? Bordeaux, qui est deuxième. Donc, voilà. Est-ce que c'est un frein? Non, on le voit, parce qu'ils arrivent à avoir des résultats. L'important, ça reste toujours la performance. Et dans toutes les équipes, à un moment donné, il y a des jeunes qui jouent. Et ça, c'est important. Donc, je ne sais pas, vous avez vu le match d'Europa League hier. La Roma, le joueur qui marque, c'est un joueur issu du centre de formation. Donc, à partir du moment où ils sont performants, pour moi, quel que soit le joueur, quel que soit son âge, quel que soit son origine, peu importe, l'important, c'est qu'il soit performant. Blessure, Floyd a été, Nassim Innocenti, une pensée pour lui qui va se faire opérer lundi. Donc on lui souhaite de tout cœur que ça se passe bien et qu'il y ait un prompt rétablissement derrière. On a Matteo Rabiol qui est toujours embêté avec sa cheville. Et on a Madou Touré aussi qui est embêté avec sa cheville. Quentin s'est entraîné normalement. Je ne vous ai pas cité à la séance, mais il était sur toute la séance aujourd'hui, il s'est entraîné normalement. Il y a Adrien pareil. Ouais, Adrian, oui, lui, Adrian, on n'avait pas de doute par rapport à ça. Il a fait sa semaine. Oui. Je pense oui, parce que c'est des joueurs qui sont formés au club. C'est des joueurs qui ont l'ADN du club en eux, qui ont l'identité VA en eux. Les gamins, voilà, ils sont là. Et, des fois, on reproche aux joueurs d'être des mercenaires et de passer de club en club et de ne pas être investis parce qu'ils sont en fin de contrat ou parce que pour X ou Y raison. On ne va pas se plaindre aujourd'hui d'avoir des joueurs qui ont été formés ici, qui font tout pour faire leur première minute en pro dans leur club. Et aujourd'hui, c'est s'appuyer sur cet ADN, voilà, cet ADN valenciennois. Et ça doit permettre aussi à tout le monde autour de s'identifier aussi à ça. Parce que voilà, une équipe doit vivre avec son environnement, avec sa propre histoire, avec... voilà, avec sa propre culture aussi. On sera le combien demain ? 13 mai ? Au 13 mai 2023, ça sera le match le plus important du club, ouais. Mais il y en aura un autre le 22, etc. Non, c'est pas aussi simple que ça. Pour moi, l'envie, c'est un des ingrédients indispensables. J'ai entendu, il a parlé aussi d'agressivité. Ça va être un des ingrédients indispensables. Et après, il va falloir proposer des choses dans le jeu. Moi, je reste persuadé que, bien sûr, il y a de l'enjeu demain, mais notre victoire, elle passera par notre contenu, elle passera par notre jeu. Et demain, voilà, il va y avoir un plan de jeu qui va être mis en place et voilà, il va falloir le respecter, il va falloir que tout le monde y adhère
pour espérer quelque chose contre cette équipe de Pau, parce que cette équipe de Pau a aussi des arguments. C'est une équipe qui a fait un beau championnat la saison dernière, cette année qui avait pris les points, qui se retrouve dans cette situation un peu, un peu à la surprise de tout le monde. Mais il y a des arguments dans cette équipe paloise. Ah, c'est toujours mieux d'avoir son destin entre les mains. Aujourd'hui, on a la tête hors de l'eau. Et je l'avais dit avant le match de Nîmes, l'objectif c'était de garder cette tête hors de l'eau et garder Nîmes avec le même écart de points. Et tant qu'on a notre destin entre les mains, on pourra impacter et fortement sur le résultat. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire les choses et de ne pas mettre de son destin. Ouais, il faut, je pense que déjà sur le match de demain, il faut gagner. Il faut gagner pour nous, il faut gagner pour nos supporters, il faut gagner pour prendre des points. Aujourd'hui, on a une multitude de raisons de vouloir gagner ce match. C'est forcément mieux quand les supporters sont dans leur COP, parce qu'on sait l'impact qu'ils ont. Après, ils seront ailleurs dans le stade. On entendra toujours leur voix, parce qu'ils ont une voix qui porte. Et demain leur rôle sera très important.